Voilà, c'est la suite de ce vlog. On est à notre deuxième jour d'expédition ici avec Richmond dans les environs de Coron City. On s'était dirigé vers l'est et là on se dirige vers l'ouest pour aller voir ce qu'il nous reste à faire parce qu'on passe ici finalement 3 jours. Et finalement 3 jours quand tu fais les Highland Hooping, eh ben, il faut quand même occuper tes autres journées. Donc ici on a trouvé le moyen de le faire. On vient d'arriver, on est loin, on est peut-être à 50 km de Coron City vers l'ouest. On vient d'arriver sur une petite plage, il fait pas très beau mais il y a que des locaux. Juste Richmond et moi, notre moto. Et ouais, on va aller voir un peu avec eux comment ça se passe. Je pense qu'on va aller les filmer, je pense qu'on va aller leur parler aussi un petit peu. Et puis après, je pense qu'on va aller se diriger vers des chutes d'eau. Putain, regarde ça, il n'y a que des gamins là. Okay, so tomorrow I come back in France, you know, in Europe, yeah. And I will cooking that. Maybe, so, how are you supposed to cooking that? In water? Yeah. I just put it in water, and after it's gonna be open? Yeah? Show me. Yeah, no water. I think you can eat too, no? You can eat too, just you need a stick like this. Yes. We have the same in my country. Let's go. This is our dinner for tonight. Yeah. Which one, I guess. I think so. I don't know if you like some crabs and some you know, seafood like this, but can man. Yeah? You can too. Okay. Christian? Ken? Carlo. Yeah, and you? Pierre. Yeah. Hey, here's my friend Wishmon. He's from Cebu. Oh no, what's this? Yeah, Cebu. What the fuck is this? What the fuck? Can I cook it in that? Avec les gosses. C'était trop marrant. Tu vois, c'est ce genre de moment là aux Philippines que t'as avec les enfants quand tu sors un peu des sentiers battus. C'est super sympa d'être avec eux. Puis, tu vois, c'est mes petits mecs des villages et tout, donc c'est super cool quoi. Bon, maintenant on se dirige vers. On reprend le scooter et on se dirige vers les chutes d'eau. Il y en a quelques-unes ici, on va en faire une avec Richmond. Et puis après, ce sera temps pour nous de rentrer. Cette dernière journée ici aux Philippines est mémorable. Bonne journée ici à Coron. Là on se dirige tout là-haut sur la colline qui est assez célèbre ici à Coron City pour apprécier le coucher de soleil qui a lieu d'ici à peu près 1 heure. C'est ma dernière soirée ici, dernière soirée on va dire véritable aux Philippines. C'était encore une journée super cool. Voilà, on a commencé l'ascension du Mont Ipias pour finir ce vlog, pour finir cette aventure aux Philippines. Et c'est un joli final. Vous allez voir pourquoi. Bon, fallait bien que ça arrive. J'ai oublié le joystick du drone. J'avais vraiment l'air con. Parce que le sunset vraiment est incroyable, putain, et j'aurais dû le prendre. Je suis trop bête. Est fini, c'était le
derniers aux Philippines. Il y en a un qui suivra, c'est juste à l'aéroport. Je vous en dis pas plus. Pensez juste à vous abonner, à liker la vidéo et puis même à suivre sur les réseaux sociaux si ce vlog vous a plu. Ciao les gars.